sort rapidement du côté Zouboua, Albrecht, il y a Lunder là qui plonge le poteau. Ouais, cette rondelle, elle finit au fond. Et c'est l'ouverture du score pour le Fanzug. Un petit peu contre le cours du jeu, on va quand même le dire honnêtement. Je disais auparavant, il fallait pas que Zug regrette trop de manquer des occasions. Et Bader qui se fait un but tout seul. Roy Klingberg, l'ouverture. Et après, c'est Herzog, hein, pas Albrecht. Herzog, c'est bien lui. Ah, alors, est-ce que... Pas bien vu, là, ce qui s'est passé. Attention, le contre. Eckenberger, c'est l'égalisation. Égalisation dans un moment un petit peu flou, là, dans ce match. Avec un Zouboua qui est resté à terre. Rapperswil continue de jouer. Eckenberger qui vient marquer son sixième but de la saison. Tchervenka, l'offrande pour Eckenberger. Rien à faire à part un Zouboua qui s'est fait mal. C'est pas terminé de s'engager. Le tir! Et cette fois-ci, Rapperswil qui prend les devants. Grâce à Sandro Tsanger, son deuxième but de la saison. Quel missile trouvé là par l'ancien Luganais. On s'est trompé de 94, là. On a affiché le 94 du Fortzug, mais c'est bien Sandro Tsanger à 5 contre 4. Qui vient trouver la lucarne de Jenner. Lui rendait avec le puck adversaire. Un tir! Et ça finit au fond. Et c'est 3 pour Rapperswil qui se dirige vers une quatrième victoire consécutive dans ce championnat. Alors que Zug, lui, risque d'enchaîner une troisième défaite de rang. Et on a pris tout son temps hein, du côté Saint-Gallois. Doucet. Pas du tout dérangé pour prendre sa chance depuis son camp de défense. Et une assist pourrait presque être donnée à Bachofner hein, sur ce